Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Turkish Web by Kerima FR. J'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va voir comment on dit avant et après en langue turque dans des phrases en employant ou bien des noms ou bien des verbes. Donc on va voir comment on dit par exemple avant l'école, après le travail, avant d'avoir lu, après avoir mangé, etc. etc. Donc sans plus attendre, on va commencer la vidéo. On commence notre cours avec le premier cas qui est le cas du nom. C'est-à-dire quand on va utiliser un nom dans notre phrase comme avant l'école, avant travail, après le travail, etc. On prend alors notre nom, c'est-à-dire isim en langue turque, on rajoute après ou bien dan, ou bien den, ou bien tan, ou bien ten. Alors je vais vous expliquer quand on rajoute dan, quand on rajoute den, tan et ten. On les rajoute par rapport à la première règle de l'harmonie vocalique, pas la deuxième, pas la première règle de l'harmonie vocalique. Et on rajoute un tan au lieu de dan quand le nom se termine par une consonne sourde, c'est-à-dire ou bien che, ou bien te, ou bien che, se, ke, fe, pe et he. Ça, c'est les consonnes sourdes. Je pense que vous le savez maintenant. On a vu ça dans le cours sur le locatif, l'ablatif, le directif, etc. Ensuite, on rajoute un J qui veut dire avant ou bien son la qui veut dire après. Comme exemple, je vous ai proposé cette phrase. Alors, au cours d'un J, je répète, au cours d'un J, que tu parles du jam. C'est-à-dire, avant l'école, j'irai à la bibliothèque. Alors, on va revoir cette phrase petit à petit. Okul, c'est le nom. Okul, c'est l'école. Okul, dan. Pourquoi on a rajouté le dan ou pas le den ou bien le ten ou bien le tan? Puisqu'il y a ici une consonne. Elle n'est pas sourde. Donc, il n'y a pas de, par exemple, un che ou bien te ou bien ke, fe, etc. Donc, on ne va pas rajouter un tan ou bien un ten. On a rajouté le dan puisqu'il y a ici le ou. La dernière voyelle de notre nom, c'est le ou. Le ou, il correspond au a dans la première règle de l'harmonie vocalique. Donc, on a rajouté le dan. Okul dan, un j. Avant l'école. J'irai à la bibliothèque. Bibliothèque, c'est kütüphane. Vous savez, on l'a vu ça dans, je pense, les mots les plus utilisés dans le monde scolaire. Donc, kütüphaneye gideceğim. Gideceğim, gideceğim. Donc, il le prononce le plus souvent gideceğim, gideceğim. Donc, avant l'école, j'irai à la bibliothèque. Dans un autre exemple, je vous ai proposé ceci. İşten sonra sinemaya gideceğim. Après le travail, j'irai au cinéma. Alors, ici, on a utilisé le sonra, comme vous savez, après. Alors, ici, on a le mot ish, qui veut dire travail. Ishten. Comme vous le voyez, on n'a pas rajouté le den, et bien le ten. Pourquoi? Parce qu'il y a ici une consonne sourde, le she. Donc, on a rajouté ten. Pourquoi ten n'est pas tan? Puisqu'il y a ici le i. Le i, il correspond au e, dans la, ou bien le e, comme on dit dans la langue turque. Le E dans la première règle de l'harmonie vocalique. Donc, on a choisi le ten et pas le den ou bien le dan ou bien le tan. Donc, işten sonra sinemaya gideceğim. Après le travail, j'irai au cinéma. Donc, dans le premier cas qui est le cas du nom, on rajoute ou bien le dan ou bien le den ou bien le tan ou bien le ten. En premier, on voit la dernière voyelle de notre nom, à quoi elle correspond? Alors, on va voir la première règle de l'harmonie vocalique, c'est-à-dire ici, il y a le OU. Le OU, il correspond au A dans la première règle de l'harmonie vocalique, donc on a choisi le TAN. Pourquoi on n'a pas choisi le TAN? Puisqu'ici, il n'y a pas de consonne sourde. Ici, dans le deuxième exemple, on a choisi le T, puisqu'il y a ici une consonne sourde qui est le CHE, donc on choisit le T. Et pourquoi on a choisi ten et pas tan, puisqu'ici elle a le i. Le i, il correspond au e dans la première règle de l'harmonie vocalique. Donc, on a choisi le ten, ça devient ichten sonra, après le travail.
Alors ici, on a vu le cas où on utilise un nom. Maintenant, on va passer au cas où on utilise un verbe. Alors, pour ce qui est de ce cas, on prend notre verbe qui est en langue turque « fil » avec deux « i ». « Fil ». Ensuite, pour ce qui est du cas de « önce », parce que le « önce » qui est avant et le son là qui est après, c'est différent. Les règles sont différentes. On n'ajoute pas les mêmes suffixes. Donc, pour ce qui est du cas du « önce », avant, on rajoute après notre verbe ou bien « madame » ou bien « medem ». Selon la première règle de l'harmonie vocalique. Ici, on reste selon la première règle de l'harmonie vocalique. Ensuite, on rajoute un « j » qui est avant. Et pour ce qui est du cas de « sonra » qui est après, on prend toujours notre verbe, c'est-à-dire « fil », après avoir enlevé bien sûr le suffixe de l'infinitif. Hein. Ne l'oubliez pas, on ne prend pas notre verbe comme il est par exemple « gelmek ». Non, on enlève toujours le suffixe de l'infinitif qui est soit le « mec », soit le mac du verbe. Donc, on prend notre verbe qui est fil. Ensuite, on rajoute ou bien dictam, ou bien dictem, ou bien tictam, ou bien ticten. Et parfois aussi, on va les voir dans notre exemple, on rajoute aussi ductam. Et ensuite, on rajoute sonra qui est après. Et maintenant, vous allez me dire, on va se référer à quoi ici ? On va se référer ici, pour ce qui est du son là, à la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Pas à la première, mais à la deuxième. On va voir ça dans nos exemples. Alors, on va commencer avant avec le önce, qui est avant. Pour ça, je vous ai proposé deux exemples. En premier, eve gelmeden önce ekmek alacağım. C'est-à-dire, avant de venir à la maison, j'achèterai du pain. Alors, comme vous le voyez, on a gelmeden du verbe gelmek, c'est-à-dire venir. On a enlevé le suffixe de l'infinitif, ensuite on a pris le gel. Pourquoi on a rajouté le meden? Ici, on va se référer à la première règle de l'harmonie vocalique, parce qu'il y a ici le e. Le e, il correspond au e dans la première règle de l'harmonie vocalique, donc on a choisi le meden et pas le maden. Donc ça devient eve gelmeden önce, avant de venir à la maison, ekmek alacağım, c'est-à-dire j'achèterai du pain. Donc eve gelmeden önce ekmek alacağım. Pour notre deuxième exemple, on a çalışmadan önce bir kahve içerim. Alors ici, on a utilisé le présent large, c'est-à-dire, ça c'est une habitude. On dit que c'est une habitude dans cette phrase. Donc, çalışmadan önce bir kahve içerim. Je bois un café avant de travailler. Comme vous le voyez, on a le verbe çalışmak. On a enlevé le suffixe de l'infinitif qui est le mak. Alors, çalışmadan. Pourquoi on a choisi le madan? Puisqu'il y a ici le e. Et le E, il correspond au A dans la première règle de l'harmonie vocalique. Donc, on a choisi le madan. Çalışmadan önce bir kahve içerim. Dans cette phrase, on a parlé d'une habitude, c'est-à-dire toujours avant que je travaille, je bois un café. Donc, çalışmadan önce bir kahve içerim. J'ai fait exprès de mettre le présent large ici, juste pour que vous compreniez l'utilisation un peu de ce temps, parce que ça signifie quelquefois une habitude. Donc, çalışmadan önce bir kahve içerim. Je bois un café avant de travailler. Maintenant, on va passer au sonra, c'est-à-dire après, quand on utilise après. Comme exemple, je vous ai pris bu kitabı okuduktan sonra dışarıya çıktım. C'est-à-dire, après avoir lu ce livre, je suis sortie dehors. Non, je n'ai pas écrit dehors, mais normalement, je suis sortie dehors. Dışarıya çıktım. Je suis sortie dehors. Donc, on reprend notre exemple. Bu kitabı, c'est ce livre. Alors, pourquoi vous allez me dire, pourquoi on n'a pas normalement kitap avec un P? Pourquoi on a mis ici un B? Alors, on verra ça dans une autre leçon. D'accord? Ne vous inquiétez pas, on verra ça dans une autre leçon. Alors,
okuduktan. Alors, on a pris ici le verbe okumak qui veut dire lire. On a enlevé le suffixe de l'infinitif. Alors, ça reste oku. Ici, on a choisi duktan. Comme vous le voyez, je vous l'ai dit ici, ça peut être duktan. Pourquoi duktan? Parce que ici, il y a un ou. Le ou, il correspond à quoi? À la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Il correspond au ou. Donc, c'est pour ça qu'à la place de e ou bien i, on a choisi le ou. C'est pour ça. Donc, c'est par rapport à la dernière voyelle de notre verbe qu'on choisit ici cette voyelle, c'est-à-dire ou bien diktan, dikten, ou bien duktan, etc. Donc, oku duktan sont là, dışarıya çıktım. Pourquoi on n'a pas choisi un t ici au lieu de t? C'est-à-dire que le verbe s'est terminé par une voyelle et pas une consonne sourde. Donc, bu kitabı oku duktan sonra dışarıya çıktım. Je suis sorti dehors après avoir lu ce livre. Un autre exemple. Bu ders yaptıktan sonra daha iyi anladım. C'est-à-dire, après avoir fait ce cours, j'ai mieux compris. Alors ici, on a utilisé le verbe yapmak. On a enlevé le suffixe de l'infinitif. Alors, yaptıktan. Ici, on a choisi le tıktan et pas le, par exemple, dıktan. Pourquoi? Parce qu'ici, le verbe s'est terminé par une consonne sourde qui est le P. Donc, on a choisi le tıktan. Et pourquoi il y a le E? On a choisi tıktan et pas tıktan, par exemple. Parce que ici, il y a le A. Le A, il correspond au E dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, on a choisi tıktan. Donc, on a choisi ceci. Alors, je répète. On a le verbe yapmak. Quand on enlève le suffixe de l'infinitif, ça reste yap. Yap, la dernière voyelle de ce verbe, c'est le a. Le a, il correspond au e dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, on a choisi e ici. Et on a choisi un t ici au lieu d'un d, puisqu'ici, le verbe s'est terminé par une consonne sourde qui est le p. Donc, ça devient yap tıktan sans la. Daha iyi anladım, j'ai mieux compris. Dans notre dernier exemple, je vous ai dit evlendikten sonra bir ev alacağız. C'est-à-dire, après s'être marié, nous achèterons une maison. Alors ici, evlendikten, ça vient du verbe evlenmek, qui veut dire se marier. Donc, on a enlevé le mek, ça restait evlen. Ici, on a choisi le D, puisqu'ici, il n'y a pas de consonne sourde. Ça s'est terminé par un N, ce n'est pas une consonne sourde. Après, on a choisi dikten. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a le E. Le E, il correspond au I dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, on a choisi dikten. C'est-à-dire, quand vous allez définir ici, c'est ou bien un D, ou bien un D, ou bien un T, ou bien un T, ou bien un D, etc. Le reste, c'est pareil. Donc, dikten. Dikten, tıktan, tikten et duktan, par exemple. Donc, evlen dikten sonra bir ev alacağız. Après s'être marié, nous achèterons une maison. Donc, je répète, on a choisi un i puisqu'il y a ici le e. Le e, il correspond au i dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Et on a choisi un d puisqu'ici, il n'y a pas de consonne sourde. Alors, pour résumer le cas du verbe, il y a deux règles à suivre. Une pour quand on utilise un j et une quand on utilise sans la. Quand on utilise un j, on utilise notre verbe après avoir supprimé le suffixe de l'infinitif, bien sûr. On rajoute après ou bien madame ou bien meden selon la première règle de l'harmonie vocalique. Ensuite, on rajoute notre un j qui veut dire avant. Et pour ce qui est de sans la, on a toujours notre verbe sans le suffixe de l'infinitif. On rajoute ensuite ou bien dıktan, ou bien dikten, ou bien tıktan, ou bien tikten, ou bien duktan, etc. selon la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Ensuite, on rajoute un son là. Et on rajoute un t au lieu de d quand notre verbe se termine par une consonne sourde. Ce cours sur comment formuler avant et après dans des phrases en langue turque est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas de la vidéo ou bien sur mon compte Instagram. Moi, je vous donne rendez-vous très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. À très bientôt.